parti pour une petite séance de détection. Bon, allez, on va aller chercher du trésor de Dieu. Dans un petit endroit que je connais un petit peu parce que j'y ai fait quelques caches, géocaching, je sais pas si vous connaissez. Bon bref, on s'en fout. Mais on va aller y poser un petit peu le détecteur pour essayer de voir si on peut pas trouver du méga trésor, des piécettes ou autre. On va voir. C'est joli, hein. C'est mieux ou pas? Voilà. Alors, petite logistique. On est sur le chemin de Compostelle, donc sur les abords surtout du chemin de Compostelle. Et pas loin d'un château. Voilà, donc on va aller un petit peu détecter en forêt tout ça. Et ben, moi je vous dis qu'au premier bip on se rejoint. Allez, bye bye, à tout de suite, de Dieu. On n'est pas des qui on est, mon Dieu. J'ai un bip. Bon, on a aussi un petit marteau piqueur qu'il y a derrière, Hollywood, qui s'appelle. Donc on va essayer de creuser, moi je dis. Allez, on le fait en direct. Que de la gueule. Allez, c'est parti. Je vous pose. Je te dis, on n'est pas des quand même. Ah, je suis plein, plein, plein. Deux, onze. Ah, c'est énorme! Mais bien, qu'est-ce que c'est? Moi je sens le louis d'or, je sais pas, je sens le louis d'or. Oh. Des fous, on n'est pas des fous. Ah! Alors, que ce soit clair, il y a des trucs qui piquent. Qui piquent beaucoup. J'adore quand ça fait ça. C'est le côté. Mimi gnognon, sympa, ou on trouve pas. Tu sors le truc, tu le poses sur le côté. Et. Il est sérieux là? Il est sérieux. Un paquet de shit. Trouver un paquet de shit. Ah, c'est de la bonne, hein. Putain, en plus. Ah ouais. Alors, je peux le revendre cher. Bon ben, à la prochaine pour une nouvelle trouvaille de shit. Allez, poubelle. Bon, je suis au fin fond d'une forêt de la mort qui tue. Et j'ai une cabane, regardez. Elle est belle. Bon, j'y habiterai pas. Par contre, j'ai un bip. J'ai un mauvais bip. Ici, regardez. Là. Vous l'entendez, le bip? Voilà, voilà. Bon, on va creuser. Je pense encore à un paquet de shit, comme tout à l'heure. Je suis en train de voir des choses là-bas. Je vais voir après, c'est intéressant. Je vois comme une construction. Allez, zou, je pose. Voilà.
Oh, oh, le bip. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Oh, c'est dedans. C'est là. Oh bah c'est là. Oh bah c'est là. Oh bah. Oh. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est encore. Ah oh, c'est une médaille. Aïe. Je me suis mis un petit peu dans les. Ah, oh, elle est jolie. Vous la voyez? La pomme de terre. Oh putain, oh, elle est magnifique! Je sais pas qui est venu là. Hop. Oh, elle est belle, oh. Elle est pas vieille, hein, parce que. Ah! Bon, j'ai du mal à voir, hein, parce qu'il y a un truc écrit. Ah, c'est joli. Ah! Elle est magnifique, cette médaille, là. Pas trop abîmée, hein. Non, elle est vraiment pas trop abîmée. Ah oui! Oh! Patron. Allez, elle est pas trop dégueu. Bon, je vais faire toutes les petites cabanes du coin. Je pense, moi je dis. Ça, c'est fait. Allez, elle est. Oh, superbe. Bon, on va continuer. J'ai vu que là-bas derrière, c'est blindé de tuiles et de conneries. Comme s'il y avait eu d'anciennes habitations. Donc je vais aller voir tout ça. Je vais aller détecter autour. Puis je nettoierai ça. Puis je vous la montrerai un peu nettoyée. La petite hotte, elle a l'air d'être jolie comme tout. Elle est pas très vieille, hein, je pense. Après, on est chemin de Compostelle. Sur le coup, c'est religieux. Ça sent bien. A tout de suite, mon fils. Allez, voilà. Je suis sur un autre trou. Je souffre le martyr. J'ai mis mes mains, toutes mes mains, dans les orties. C'est horrible, ça me. Ouh. Bon, bref, tout ça pour dire que, voilà, ça fait un bon gros bif qui va bien. J'ai creusé. Je vous ai épargné le. Voilà. Et là, écoutez, écoutez. Ça s'entend ou pas? On entend un gros bif, hein. Pas où? Par là. Bon, bref. Bref, bref, bref. On va essayer de trouver des dieux. Ah. Oh bah. Être dans la main, quoi. Alors, attendez. Vous savez quoi? Je pose la cam. Je sens les conneries. Je sens vraiment la grosse connerie. C'est une forêt d'alcoolo. C'est une forêt d'alcoolo. Voilà, allez, poubelle. Suivant. Next. Après avoir découvert l'ancien chemin de Compostelle des dieux. Bon, j'ai un bip. On va aller voir ce que c'est en direct, hein, de toutes. On est des fous, on n'est pas des fous. Vu que j'ai l'impression que c'était un petit peu un chemin alcoolique, j'ai peur de me retrouver encore face à une mauvaise canette toute pourrite. Bon allez, je vous pose. Allez, à tout de suite.
un joli bruit, hein. Un joli bruit de canette. Bon, ben, c'est un bon bout de ferraille, hein. Allez. Mec. C'est encore moi. En fait, je suis sur un ancien chemin de Compostelle, mais j'ai l'impression d'être sur la route du vin. Bref, j'ai eu un bip. Allez. Ça va être quelle année le vin, là? On regarde ensemble. J'ai sorti le truc, j'ai creusé. C'est assez profond sur le coup. Donc, peut-être que c'est du vieux vin. Allez, c'est parti. Alors, après le bruit est complètement dément, mais je me méfie tellement. J'ai sorti la chose. Oh bah il est dans la main. Allez. Ah, j'ai senti un truc là. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, j'ai quelque chose. Une connerie, un bouton. Bon, ben j'ai un vieux bouton. Pas sûr que ce soit dément, mais bon. C'est toujours mieux que rien, ou pas? Allez, c'est parti pour la suite de l'aventure. D'ailleurs, on n'est pas des quand même. On continue le chemin, il est là-bas. Ça fait 4 jours que je détecte. Et là, j'ai un bip. On va aller voir ensemble. Parce que là, allez, c'est parti, je vous pose. Et puis la petite pelle de forêt. Ah, c'est un abandon là, je crois. C'est un chemin de merde. C'est un chemin de merde. Ouais. Le chemin il a abandonné depuis hier. J'en ai marre. Je suis allé en forêt. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, bye. Bonjour, c'est toujours moi sur la route du vin. Oh, j'ai un dos de bip. Ça pique. Ah, vive les orties. Bon, bref, j'ai creusé, je vous épargne tout ça. Puis on va voir si on trouve une autre capsule et de quel QVC. Ok, allez, à tout de suite, on regarde ensemble. Le mec il est cool parce que il met la terre mais dans les ronces. Voilà, c'est le côté sympa. Ah bah j'ai dans les mains. Alors. Ok, je viens de la rejeter, je suis un couillon. Mais je suis sérieux là. C'est par. Ah non, j'ai enfin une pièce toute pourrie. Qu'est-ce que c'est? La route du vin, faut de la thune pour acheter le vin. Donc, il faut des pièces de 1 franc. Ouais, jolie, elle est jolie. Petite pièce de 1 franc. 1933. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Bon, elle est bien conservée. C'est déjà ça. J'ai cru que j'allais abandonner. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, sur le coup, j'ai persisté sur 20 mètres. Non, 50. 50 mètres, je suis un fou. J'ai trouvé une petite pièce qui va bien. Ça, c'est fait. Allez, à la suivante. Je sens que là, ça va être blindé. À tout de suite. Là-bas. J'ai un problème. Mon chemin, il se perd. Bon, j'ai un bip. On va aller creuser de Dieu. Il est pas terrible mais bon. Oh, on en est. Par contre c'est hyper joli. Parce que je tombe
en à peu près fin de chemin, sur des gros arbres. J'ai un peu des bits partout, c'est bizarre. On va creuser. On va aller chercher de la capsule de Dieu. C'est parti. Je vous pose. En hauteur. Pas des mangues, bon. Où on en est. Ah bah ça c'est direct. Oh, c'est magnifique. Non, c'est pas terrible. 1925. Un bon pour 50 centimes. J'arrive. Bon, oh, c'est pas des bons. Hein. Mais bon, ça aide. C'est tout petit tout. Voilà, c'est des bons pour 50 centimes de l'époque. 1925, je crois que j'ai. Je sais plus. Bon, ben voilà. C'est mieux que les capsules. On va continuer parce que j'ai quelques petits bips à droite et à gauche là. C'est assez marrant. Je vous montre un peu l'endroit. Hop. Il y a des gros arbres. Ici. 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 Ça change de ce que j'avais avant qui était. Ça, pas très beau. Et là, c'est sympa. Bon, j'y retourne au prochain bip. Je vous rappelle. J'ai votre numéro. Allez, à bientôt. Bye bye. Un bip, ça c'est pas de la grosse piécette. Bon, ça sent bon, piécette ou autre, bijou en or ou une connerie. Allez, on va aller voir ça. Posage, c'est vachement aigu. Un trou. C'est blindé de racines. C'est un truc de fou. C'est toujours dedans. Ah. Voilà, voilà. Ben voilà quoi. On va rester dans les insectes. Je viens de trouver. Oh merde, elle est un peu abîmée. Dommage. Une petite coccinelle. Je suis le mec qui trouve les trésors les plus pourris de la terre. Mais j'aime bien. Je trouve ça sympa. Elle est mignonne. Hein. C'est une couleur dégueulasse, mais elle est sympa. Bon, ça va. J'aime bien, en fait. Voilà. Bon, ben, à une prochaine pour un nouveau trou, pour une connerie. Allez, à plus. Bye. Bon, détection arrêtée. Je trouve trop de conneries. Mais j'ai trouvé du muguet quoi. Un champ de muguet. Ouh. Donc cueillette. Et puis retour. Allez, à plus quoi. Bye.